demande 10%. Je demande 10% et c'est pas beaucoup. Du fric ou alors boum. Nous sommes à deux dans les services pour 30 malades. Déjà 55 ans, on est déjà usé. L'histoire du syndicalisme français est le fruit de 130 ans de violente lutte sociale, au nom d'un avenir meilleur. Cette grande saga commence en 1884, lorsque la classe ouvrière obtient le droit de se syndiquer. Puis viendront 1936 et les conquêtes du Front populaire. 1945, avec les grandes réformes sociales du Conseil national de la Résistance. 1968, et la mise à mort d'une société conservatrice, suivi au grand dam des syndicats d'une revanche patronale qui ouvrira les portes du libéralisme économique. On en a marre, on n'a plus rien à perdre. Dans les années 80, le monde bascule dans une autre ère, celle du capitalisme financier, de la mondialisation, de la désindustrialisation et du chômage de masse. Les conflits se radicalisent et les syndicats entrent dans une zone de turbulence. Faut pas oublier que les syndicats ne représentent que 7 à 8% de notre profession. Le dialogue social peine à trouver ses marques.